Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bien, écoutez, moi ça va, j'espère que vous ça va. Écoutez, moi je vais super bien. Voilà, j'ai la pêche, écoutez, hein, c'est ce qu'il faut. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier, bon, de toute façon, si je me trompe, oui, c'est ça, le 17. Si je me trompe, je vous le mets là, hein, vous le savez. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, vendredi, plus qu'un jour, plus c'est le week-end. Voilà, on est tous contents quand c'est le week-end en fait. Et moi, je suis contente parce que mon mari, il a eu une semaine assez difficile, donc je suis contente quand même qu'il soit en week-end. Enfin, voilà. Bon, écoutez, aujourd'hui, je vous reprends. Hier, je vous ai pas vlogué. Hier, je suis partie faire du footing. Enfin, j'ai couru en fait avec mes trois chiens. J'avais pas Logan, Logan il était à la crèche. Donc j'ai couru avec mes trois chiens. Et franchement, j'étais hyper contente parce que j'ai fait des courses de. J'ai couru pendant 7 minutes. Après, je m'arrêtais une minute. Après, j'ai recouru 7 minutes. Enfin, j'ai fait ça pendant une heure, pardon. Et tellement que moi j'en pouvais plus. Et les chiens, ils ont couru autant que moi. Et à vrai dire, je suis allée après les redéposer dans la voiture parce que du coup, je prends la voiture pour aller à la colline. Mais vraiment, c'est la colline, je pourrais y aller à pied en fait. Hein. Mais c'est parce qu'en fait, sur le chemin, je peux pas les laisser en liberté parce qu'il y a des voitures. Moi, c'est les voitures et les gros chiens qui me posent problème. Parce qu'ils sont petits et j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Donc du coup, je préfère prendre la voiture pour aller à la colline où il n'y a pas de voiture. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Pour avoir l'esprit tranquille quand je cours. Il n'y a que Spikey que je laisse en laisse parce que Spikey, lui, il fonce sur les gros chiens. Et les chiens, ils foncent sur lui aussi parce que du coup, il est petit, voilà. Tandis que les deux femelles, elles ne foncent pas du tout sur les gros chiens. Elles ne les calculent pas. Tandis que le Spikey, oui, il les calcule. Bon, lui, c'est pour le coup, c'est le mâle dominant. Voilà, donc j'ai couru hier. Du coup, j'ai du mal à faire redescendre après le cardio, la pression. Je suis allée chercher après Logan à 11h30, même midi, à la crèche. J'étais toujours rouge, toujours, j'avais toujours chaud, j'avais toujours cette sensation de chaud parce que du coup, en même temps, je vais un petit peu ranger parce qu'en même temps que je vous parle, parce que sinon, je vais pas y arriver. Et du coup, j'avais toujours cette sensation de chaud. Et ce qui fait que j'étais toujours rouge, quoi. Voilà, donc j'ai couru jusqu'à 10h30. Après, à 10h30, à 10h30 après j'ai pris ma douche, j'ai rangé un petit peu à la maison et puis voilà, après ça passe super vite parce qu'après j'ai Logan à aller récupérer. Après hier soir j'ai fait des courses, je vous ai pas fait de retour de course, voilà, parce que on est rentré tard, on est rentré, c'était presque 19h30 et après bon, il faut faire manger, Logan il avait pas pris le bain, enfin vous connaissez la chanson quoi. Sinon bah écoutez, tout va bien. Jordan, ça commence un petit peu. Il commence un petit peu à prendre son rythme. C'est pas facile. Elle vient de m'appeler pour dire qu'en fait, il a pris le bus. Il commençait à 9h. Mais en fait, quand il prend le bus à 7h30, pour commencer à 9h, il y a beaucoup plus d'embouteillages. Donc, du coup, il est arrivé en retard. Donc là, du coup, il m'a dit, maman, c'était pour te dire que si tu reçois un message, je serai en retard. J'ai dit, bon, mais ça va, t'inquiète pas, mon chéri. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire pendant 1 heure? Il m'a dit, ben, écoute, je vais aller sûrement à Burger King déjeuner parce que du coup, ce matin, j'ai pas déjeuné. J'ai dit, ben, écoute, déjeune tranquille. C'est pas grave, tu arrives en retard. Il m'a dit, je suis pas arrivée très très en retard, je suis arrivée à pile alors que ça ferme à moins 5. Après, ils ouvrent plus. Enfin, en plan Vigipirate, pirate, moi je trouve que c'est moyen de laisser les lycéens dehors. Mais enfin, bon. Enfin, les lycéens. Oui, c'est des lycéens malgré qu'il est majeur, mais enfin, moi je trouve ça moyen. Je trouve ça moyen. J'aime pas trop ce procédé de laisser les enfants, les jeunes, du coup, les enfants, c'est les jeunes, dehors. Voilà, c'est mon point de vue. Bah écoutez, sinon Logan cette nuit il a fait pipi au lit. Voilà, c'est une nuit, il n'a pas fait trop de terreur nocturne, mais il a beaucoup 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 bougé. C'est un ver, on dirait qu'il joue au foot la nuit, c'est un truc de fou. Sinon ça va, il a fait pipi au lit, mais dans la semaine dernière il avait fait pipi au lit. Cette semaine je sais plus, je crois qu'il a fait une fois pipi, non il a fait deux fois, il a fait hier et avant-hier. Voilà, sinon en gros, j'y remets pas les couches. Moi en fait, depuis que j'ai levé les couches au mois de mai, je ne lui ai plus jamais remis. Au mois de mai, je peux vous dire, j'ai eu des pipis par terre, hein, tout le mois. Il a été propre en juin. Mais je m'en foutais.
C'était pas grave, comme ça il voyait que le pipi était par terre. Et il m'a fait une ou deux fois caca aussi par terre, mais du moment qu'il a été propre, après il n'a plus jamais fait pipi et caca par terre. Voilà, et il n'y a que la nuit. Bon, bah, écoutez, la nuit, je pense pas qu'il soit maître de tout ça en fait. Donc il se met à pleurer et après il est trempé. Donc ce matin, j'ai pris la douche. Du coup, bah, il faut prendre la douche le matin parce que bah, il était plein de pipi quoi en fait. Et voilà, donc écoutez, moi après je vais faire mon sport. Alors aujourd'hui j'ai sport en piscine parce que le vendredi c'est l'aquagym. Enfin c'est même pas l'aquagym, c'est l'aquamix exactement. Je fais de la boxe, je fais plein de trucs. Et c'est dure 45 minutes et j'ai pas eu de place au cours de 9h30. J'ai eu une place au cours de 10h30. Donc je vais m'activer, je passe l'aspirateur. Là les lits sont déjà tout faits parce que ce matin je me suis levée assez tôt. Donc les lits sont déjà tout faits, je les ai faits avant de partir déposer Carla et Logan. Et je vais faire ma salle de bain, mes toilettes et passer l'aspirateur. Et après quand Logan sera à la sieste cet après-midi, je passerai un coup de vapeur. Voilà, donc bah, du coup, bah, c'est parti, je vous reprends après. Je vous reprends, et bien il est de 10h15, je suis pas très très en avance, je dois être à 1h30, enfin le cours il commence à 1h30, donc je dois être un petit peu avant dans le bassin. Là le cours, le premier cours vient de finir, donc j'essaye de m'activer, voilà, donc j'ai fait le petit ménage, j'ai fait de l'Eli, je les avais fait ce matin avant de partir amener les petits. J'ai fait ben, le rangement de tout, quoi, et j'ai passé l'aspirateur. Finalement j'ai frotté si j'avais le temps, donc j'ai pas comme ça je me libère de la corvée du vaporetto de cet après-midi. J'ai fait des machines, il y a une machine qui est finie donc je dois la plier cet après-midi pendant que Logan y sera au dodo. Par contre ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas fait le repas pour midi. Donc j'aviserai avec Logan. Bon allez, j'arrête de vous parler parce que l'heure tourne, elle tourne, elle tourne. Et tout à l'heure je vais être en retard et le coach il va me... Il va me taper sur les doigts, après il me dit on marque un mot dans le carnet, hein, il me dit. Bon allez, j'y vais. Voilà, je vous reprends, et eh bien il est exactement 11h39. Je suis devant la crèche, j'ai fini mon sport aujourd'hui, c'était très 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 intense. On a fait un circuit en fait, trampoline, faire des squats sur un trampoline, c'est horrible. Dans l'eau, faire des squats sur un trampoline, après on faisait du bike, et après on faisait de la boxe sous l'eau avec des gants. Et après on a fait avec la frite, on a fait une séance, une série d'abdos. Et après on a fait un tabata. Alors un tabata c'est pendant 4 minutes, plusieurs exercices qui se suivent avec des temps de cardio fort. Après un temps de pause pendant je sais pas combien de secondes, recommencer tout ça pendant 4 minutes. Voilà, donc c'était très intense. Alors en plus moi j'ai fait le sport mercredi toute seule, puisque je suis partie à la colline, jeudi. Que j'ai couru et aujourd'hui donc ça fait 3 jours de sport intensif. Franchement je suis claquée ce week-end je fais rien, mais voilà, donc j'espère que ça va porter ses fruits et que je vais baisser dans le poids. En tout cas je suis contente parce que j'ai déjà perdu 4 kilos et franchement ça motive. Voilà, ça motive. Là je viens de m'acheter une balance électronique sur Vinted, voilà, donc comme ça j'aurai, parce qu'avec le trait c'est moyen, mais bon quand je verrai le 75 là je serai contente. Voilà, là ça voudra dire que je suis à 5 kilos, je suis encore un petit peu à ça, je me languis tellement. 75 franchement je suis contente. Bon allez, voilà, allez, je vais chercher mon bébé parce qu'il est 41 et que j'ai pas préparé à manger. Et que voilà, que je me languis de le voir. Bon allez, j'y vais, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, ça y est, je vous reprends, on est à la maison. Là, Logan, il est en train de manger. Moi, je me suis fait une salade vite faite. Je vous la montre tout de suite, j'ai du mal. Alors, je me suis mis des carottes râpées que j'ai achetées hier. J'ai mangé ça hier soir. Carottes râpées, des petites tomates cerises, un concombre entier et une petite boîte de thon au naturel. Voilà, et... Le tout avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile d'olive et puis du sel et du poivre, voilà, et puis ça ira très bien. Et Logan, il est en train de manger sur sa petite table là-bas, voilà. Allez, on y va. Bon voilà, je vous reprends, et bien, il est 2h20, je viens de coucher Logan, je l'ai couché un petit peu tard, j'attendais que Franck y rentre en fait.
Et puis voilà, donc j'ai mangé ma petite salade tranquillement. Je ne voulais pas vlogger, en fait, je l'ai mise en story Instagram, mais je ne l'ai pas vlogué. Donc, je voulais me la... Ah oui, je voulais vlogger. J'oublie. Je vous mets quand même mon Instagram ici, comme ça, si vous voulez me suivre. Mais écoutez, j'étais en train justement de passer une commande chez... je ne sais pas si vous connaissez le site Banana Beauty. Moi maintenant, depuis que j'ai connu ça grâce à une influenceuse, parce que ben, moi aussi je me suis influencée par des influenceuses, depuis que j'ai connu en fait ce maquillage, je ne prends plus que ça. Avant, je prenais mes maquillages chez Yves Rocher à l'époque. Ça ne tenait pas. Après, j'ai essayé Kiko. Ça tient pas. J'ai essayé plein d'un tas de trucs qui coûtent la peau du cul. Finalement, j'ai opté pour ne plus me maquiller du tout. Voilà. Et là, maintenant, j'ai pris les Banana Beauty. Là, je viens de commander un rimmel qui résiste à l'eau, un liner qui résiste à l'eau qui tient 24 heures et deux rouges à lèvres. Alors, le lot, il faisait 89 euros. Avec le code promo de cette influenceuse, je l'ai eu à 30 euros. Donc, correct. Voilà, parce que franchement, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site. C'est vrai que quand vous voyez les prix de base, ils sont affolants, hein, parce que des fois vous pouvez monter à 150, 270 euros le lot, mais il faut pas les acheter à ce moment-là. Il faut attendre vraiment d'avoir un code promo d'une influenceuse, ou alors vous allez sur l'application Marieduc. Et sur Marieduc, il y a un code promo qui est valable toute l'année de 50%, donc qui est valable aussi. Voilà. Et du coup, moi, franchement, je le valide parce que je le mets même pour aller faire le sport à la piscine. Je l'ai mis tout l'été. Voilà, là où j'en ai un petit peu, c'est du nude, donc il ne se voit pas trop. J'ai fait le sport ce matin, je l'ai mis, il n'est pas parti. J'ai mangé parce que j'en ai testé des rouges à lèvres longue durée. J'en ai acheté sur Amazon. Ils sont très très bien, par contre, sur ceux que j'ai achetés sur Amazon. Mais par contre, il ne résiste pas à l'eau. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de transfert au niveau. Avec ce que je vous parle là, il n'y a pas de transfert au niveau sur les masques ou même sur autre chose. Mais dès que vous mangez ou dès qu'il y a un contact avec quelque chose d'humide, eh ben, du coup, on vous dirait le Joker. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, je vais vous la montrer de suite, la palette. Voilà, donc c'est cette palette en fait que j'ai acheté chez Amazon. Alors, je sais plus combien je l'ai payé. Si jamais je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, donc vous avez un dégradé de couleurs. Moi, j'avoue que j'aime celui-ci et celui-là. Voilà, et voilà les trois premiers. J'avoue, ceux-là ils sont plus nude. Je suis plus sur ceux-là. Alors, ceux-là, je les mets en temps normal quand je vais pas à la piscine. Quand je sors, je les mets et j'ai aucun transfert. Mais par contre, voilà, dès que vous mangez ou dès qu'il y a un contact avec l'eau, eh ben, il coule. Voilà. Mais sinon, je pense pas que je me rappelle plus si je les ai payés si cher que ça. Je crois que je les ai payés dans les 30 euros la boîte. Après, voilà, les Banana Beauty, ça reste quelque chose de professionnel et vraiment moi je n'utilise plus que ça. Voilà, donc c'est celui-ci, ça se présente comme ça, Banana Beauty. Et là c'est le, si ça fait le focus, voilà, Shield Queen. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de, voilà, ça vous le voyez bien. Et celui-ci, pareil, je l'ai pris sur Banana Beauty. C'est même pas moi, c'est Carla à la base qui l'a pris. Et franchement, je valide à 100%. Voilà, je vous reprends un petit peu. J'étais en train de faire mes stories Instagram et j'étais justement en train de me dire, bah, Christelle, tu vas aussi leur dire, parce que j'ai en fait, ceux qui sont abonnés sur Instagram ne sont pas forcément abonnés sur YouTube et sur YouTube ne sont pas forcément abonnés sur Instagram, vice-versa, voilà. Donc du coup... je fais les deux stories, on va dire, sur les deux réseaux, parce que j'ai que deux réseaux. Voilà. Donc du coup, je posais la question, qu'est-ce que vous voudriez voir comme thème à Disneyland Paris? Voilà, qu'est-ce que vous voudriez que je vous vlogue en particulier? Je sais qu'on m'avait demandé un hôtel tour, mais bon, du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais je vais essayer de le faire. Voilà, donc si vous voudriez un thème en particulier, n'hésitez pas à me le mettre
directement dans la rubrique commentaires. Voilà, j'ai fait une story, donc vous n'hésitez pas à marquer ce que vous voudrez avoir. Et parce que je m'en vais pour la saison d'Halloween le 5 et le 6 octobre avec Carla. Et du coup, on va vous voguer un petit peu tout ça. En plus, franchement, il y a la nouveauté. On va pouvoir lever les masques pour faire les photos avec les personnages, ce qui est génial parce que franchement, les photos avec masque, il ne faut pas se le cacher, c'est moche. Voilà, donc du coup, si vous voudriez, si vous voudrez voir, voudriez n'importe quoi, si vous voudrez voir un vlog en particulier, mettez-moi-le dans la rubrique commentaires. Voilà. Voilà, je vous reprends. Ben, il est 16h32. On est dans la voiture avec Logan. Là, on attend devant le travail à Carla. Alors, vous voyez la vue qu'elle a au travail. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de pousser ma tête. Bon, il y a des gens là devant moi. Mais elle travaille carrément sur le port. Donc, elle a une vue splendide, quoi, en fait. Hein. Elle dit qu'elle a de la chance de travailler ici parce que elle travaille pas dans les bureaux, elle travaille pas enfermée. Oui, Logan, ça y est, elle travaille pas enfermée et en plus elle a une vue top. Quoi. Donc du coup, elle est hyper contente. Voilà, donc du coup, on attend. Logan, regarde qu'il y a. Regarde, étoiles. Il y a des étoiles. Mais que t'es fort, viens. Oui, mon bébé. Il y aura un bébé. Oui, oui. Trois étoiles, il y a. Ouais. C'est l'hôtel à trois étoiles. Le panneau, tu vois. C'est l'hôtel qui touche pas. On est toujours sur le port. On dispute un frère et soeur. J'ai une dispute entre Jordan, Logan et Carla. Ils se disputent entre frère et soeur. C'est lui qui prend la tête. Qu'est-ce qu'il y a, Logan? Allez, je m'assois plus, il m'a poussé. Ah, maintenant on est redevenu copain. C'est bon? Logan, tu es calmé? Mais comme tu es beau. Mais comme tu es beau. Ah, fini. Allez, on voit pas en arrière, tu vas te taper la tête contre le fer. Bon voilà, allez, je pense qu'on va y aller parce que là il est pas disposé. Te fera conduire la voiture. Il est pas disposé, ben là on va aller faire deux magasins, je dois aller voir pour une veste à Porte 1000 et si le programme ne change pas entre temps. Allez, c'est bien. Quatre, trois. Maintenant il compte à l'envers. Oh qu'il est fort. Ah non. La touche photo. Attention les pieds. Regarde. Il faut aller. Mais non. Tu veux jeter le monde? Non, il va y arriver tout seul. Moi j'aurais paniqué. De quoi? Ah j'aurais levé la... Acide, hein. Ah je sais pas. Pas bon là il y a... Logan! Papa! Qu'est-ce que tu racontes? T'es sur ta tête là, regarde là. Logan là. Attention à ta. Ouh là! On est passé vite, hein? T'as tout! Maman! Laisse passer ce petit monde là. Oui, là c'est trop dur, viens. Vas-y, on commence. Bon, voilà.
Ah, ça y est, je vous reprends. Eh ben, il est presque 20h. Voilà, on a fini de manger. Moi, j'ai mangé ma petite salade, la même qu'à midi, en fait. Je me suis refait un concombre entier, 4 tomates coupées en petites rondelles, enfin, 4 tomates cerises, une petite boîte de thon, et puis des carottes râpées. Voilà, j'ai mangé ça tranquillement. Franchement, je suis contente parce que je tiens. Je suis pas frustrée de les voir manger parce qu'eux, se sont fait livrer encore ce soir. Et remarquez, il valait mieux parce qu'à l'heure où on est rentré, c'était encore 19h30. Donc, j'ai été récupérer Carla sur le port. Et comme vous avez pu le voir, on a fait un petit tour sur le port parce qu'il faisait super bon. Il faisait encore presque 30 degrés. Il faisait 28 exactement. Donc, du coup, on a fait un petit tour sur le port. Logan, il a vu les bateaux. Donc, on est resté bien une demi-heure, 45 minutes. Et puis, finalement, après, on est allé voir pour un blouson. Parce qu'on part à Disney le 7 et le 6 et le 7 octobre avec Carla. Donc on a été voir pour un blouson pas trop chaud, pas trop entre les deux, voilà. Donc on s'est arrêté à Sport 2000, après je me suis arrêtée à Camaïeu pour voir s'il y avait. Je me suis arrêtée à Gémeaux. Et finalement, Carla n'a pas trouvé son bonheur parce qu'à Sport 2000, il était trop cher. Donc on ira voir la semaine prochaine, on ira voir chez les Petites Bombes. Parce qu'apparemment, ma soeur a dit que chez les Petites Bombes, il coûtait moins cher. Parce que celui de Sport 2000, il faisait 350 euros. Et les Petites Bombes, apparemment, c'était moins cher. Bon, moi, je m'en fous de la marque, honnêtement. Elle est jeune, elle a raison. Moi, je m'en fous de la marque. Et du coup, je me suis pris une veste sans manches. Je n'en avais pas. Voilà, donc je trouvais ça bien parce que j'avais une genre de jotte avant, un peu grise, même pas, elle était beige, je crois. Mais en fait, vu que j'avais pris du poids, elle m'allait plus, je l'avais virée. Et je n'avais plus de veste mi-saison parce que quand je vais en septembre et octobre, je mets une petite veste avec un gros sweat, ça suffit largement. Par contre, après, quand c'est l'hiver, j'ai mon gros blouson que je mets exprès pour quand je vais à Disney parce qu'ici, je ne le mets pas. Hein. Ici, je mets une petite. Que les petites vestes ou même cette veste que je viens d'acheter, une veste sans manches, je pourrais la mettre effectivement ici. Donc je vais vous montrer de suite ce que j'ai pris chez Gémeaux. Voilà, donc chez Gémeaux, je me suis pris cette veste, je l'ai pris en blanc parce que j'aurai les chaussures, les baskets blanches. Je me suis pris cette veste sans manches, je trouvais ça assez sympa, je n'en avais pas. Donc quitte à acheter, voilà, je voulais celle-ci et je l'ai payé chez Gémeaux. 14,99 €, on va dire 15 euros. Franchement, le rendu, il est pas mal. Sinon, j'ai pris une veste en jean aussi, je n'en avais pas. Voilà, donc je pense que je me mettrai ça quand je vais à Disney. Je vais mettre un gros pull dessous et un gros pull jersey ou un pull Disney. Je vais mettre ça et je mettrai la veste par-dessus. Et je l'ai pris, celle-ci, je l'ai payée 29,99 €. Alors j'ai pris un plus grand parce que si je mets un pull dessous, voilà, comme ça, je serai pas tout en mitouflé, tout en gonflé dedans. Voilà. Et Carla m'a acheté aussi ce joli. Je vais vous poser là, comme ça vous le voyez mieux. Ce joli. Je sais pas si c'est. Je pense que c'est un rat de cou. Ce joli rat de cou est super joli. Voilà, j'adore. Voilà, elle a voulu me faire un petit cadeau. Voilà. Et après ça, on s'est arrêté au parc. On s'est arrêté au parc avec Logan. Il a fait du toboggan, il a fait de la tyrolienne. Bref, il n'a pas arrêté. Je pense que il a réclamé la pâte patrouille. J'ai dit à Franck, écoute, mets-lui un petit peu. Après, je lui prends la douche. Et je prendrai la douche juste avant de dormir. Comme ça, après, je le couche vers 9h, 9h15. Et puis voilà. Je pense qu'avec Franck, ce soir, il ne travaille pas, donc on va se regarder. Parce que moi, la semaine, je ne regarde rien. Je regarde beaucoup en replay, mais la semaine, je ne regarde rien parce que Franck se couche tôt. Et moi, je loupe tous les débuts de film parce que Logan, il met du temps à s'endormir. Il faut que je reste à côté. Donc, du coup, quand il s'endort entre 10h, 10h30, voilà. Et cet été, c'était du 11h minuit. Donc, du coup, je regarde rien. Je regarde beaucoup en replay. Donc là, on va se regarder après une nouvelle émission. Sur des aménagements de comment on appelle ça? Les aménagements de fourgons. Vous savez, quand on aménage pour qu'on puisse dormir dedans, voilà, l'aménagement, tout ça.
Et j'avoue qu'avec Franck, on aime beaucoup, on aime bien beaucoup tout ce qui est aménagement de fourgons, les caravanes, les tiny houses. Moi, je suis fan de tiny house. Mon rêve, ça serait de me faire construire une tiny house sur un terrain. Voilà. Je voudrais pas un gros intérieur, pas un peu plus extérieur, mais même un extérieur, j'ai pas besoin de beaucoup. Voilà, donc ce soir, on va regarder ça. J'avoue que ce soir, je suis claquée entre ce qu'on a marché là cet après-midi, parce que pour aller au parc, il faut un petit peu marcher. Parce que ce qu'on a marché aujourd'hui, le sport d'aujourd'hui, le sport d'hier, le sport d'avant-hier, j'avoue que là, je suis claquée. Lundi, je reprendrai le sport avec Logan en poussette. Mardi, va à la crèche, je ferai un break. Mercredi, je n'irai pas non plus à la colline. J'irai peut-être à la colline, mais marcher. Voilà, pas courir. J'irai vraiment que courir lundi. Sinon, mardi, si je vais avec Logan, j'irai pas courir, j'irai marcher. Et mercredi aussi. Et j'espère pouvoir le mener encore un petit peu au parc mercredi. Et peut-être un dimanche, mais encore, comme je ne suis pas sûre, parce que comme j'ai le dimanche, j'ai Dylan qui vient manger. Bon, après, il s'en va bonheur, mais bon, voilà. Et après, j'aime bien un peu profiter de Dylan. Voilà. Écoutez, je pense que je vais vous laisser ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ben, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et marquez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez des idées de vidéos pour Disney, allez-y, notez et j'en tiendrai compte. Hein. Et puis voilà, puis je vous dis bonne soirée. Et si vous regardez cette vidéo demain, ben, bonne journée. Et puis à plus tard. Allez, ciao, ciao!